Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Et pour la petite blague, je fais un petit sauvegarde rapide, hop, je tire, et vous voyez que je fais tomber le décor. Voilà, c'était débile. Bon, alors nous sommes toujours devant les archives nationales. Et donc on va y rentrer, chers amis. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va y trouver, je ne me rappelle plus. Mais alors plus du tout. Intéressant. Donc porte, on ouvre. Et je sens que ça va piquer. Le quiz. Terminal récupération prix. Ah attendez, ça peut être intéressant. Oula, un quiz. Trop cool. Alors. Première question. C'est un texte de quelle assemblée ? Le premier congrès continental ? Faux. Donc c'est un second. Donc, c'est donc le second congrès continental. Intéressant. Ici. Combien de colonies d'Amérique du Nord se sont rebellées contre la Grande Bataille en 76 ? 13. Correct. Quelle était la première personne à signer la déclaration d'indépendance? John Hancock. Combien de délégués ont signé la déclaration d'indépendance? 56 membres. Hop, cinquième question. Lequel des passagers suivants n'est pas un passage. Le réquisitoire, le préambule, l'introduction, la ratification. Il me semble que c'est le préambule. Ah non. Ah, faut tout reprendre. Hop. 50. Ah bon? J'ai pas relu la question, j'étais stupide. J'aurais dû la relire. Ah oui, non. J'ai dit 13. Hop. En coque. Hop. Là, j'ai dit... C'est 50. Non, 56, j'ai dit. Je suis stupide. Je sais plus dans quelle question je suis, en fait. Donc, c'est l'introduction. Non? Ah bah, je me rappelle plus, alors. La ratification? Bon, bah, c'était la ratification. Sixième question. Ah, ça, je savais pas. William 4, non. Je sais même pas s'il existe celui-là. George 3. Bon, écoutez, pourquoi pas. Alors moi, l'histoire, ça fait 4, hein, autant vous le dire. J'aime que les choses qui me plaisent ou qui ont un rapport, autant d'être franc, avec de la filmographie. Donc bien sûr, donc tout ce qui peut apparaître dans un film. Alors, septième question. La vie, la liberté et la recherche des droits inaliénables. Ah bon? Du bonheur? Tout simplement? Ok, pourquoi pas. Monroe? Non? Je sais plus Monroe qui c'est. Ça me dit quelque chose, Monroe. C'est pas Lincoln, c'est certain. Non! Du bonheur. Hop. Thomas Jefferson, oui, je suis con. Je suis complètement con. George, mon bon vieux George. Cinquième. La ratification. Gna. Te plante plus, Marcus. Hancock. Clac. 13. Pas de misclic. Correct. Ah ah. Prix. Un bon est requis. What? Quoi? J'ai pas eu mon bon? Correct.
Mon bon, où qu'il est, mon bon? Alors, attendez, j'ai cru avoir un truc. Hiver. Rien. Message? Non! Non, je n'ai pas eu mon bon. Où il est, mon bon? Quiz de l'archive nationale. Ah! Un bon est requis. Donne-le-moi. Mais alors si des gens sont au courant, je serais ravi de savoir. What? Sydney, Australie! Bouge pas. Bla, ça c'est les chiottes. What? What? Bouge pas. Essaie de casser ça maintenant. Non. Aïe. Voilà. Bonjour monsieur. Et ton copain, je crois, là-bas dans... Oula. C'est un super mutant, tout ce qu'il y a de plus classique. Boum. Boum. Et boum. Ah, oh, dommage. Crac. Respecte mon autorité. C'est inquiétant qu'elle soit là et que... Enfin bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Il y a personne d'autre? Apparemment non. J'ai mon chapeau. J'ai mon chapeau, donc j'ai de la perception en plus. Voyons voir. Re, chers amis, donc, on y va, on progresse cette fois-ci. Bon, excusez-moi pour cette coupure. Bon, ça mène à quoi? Escalier, plus tard. Alors, là-bas, il y a un PC qui marche pas. Des gens en haut. Un PC qui marche. Lui, il m'a vu. Terminal. D'accord, on a pu voir l'explosif derrière. Alors, maître super mutant, forcément. En plus, j'ai raté la plupart de mes balles. Et 2-1. Oh putain, il m'a fait peur. Oh le con. Oh le con. Trou de con. Mais qu'il est con, il m'a vraiment foutu les boules. Oh la gueule. Salaud. T'as tout compris, salaud. Merci pour le Steam Pack, il va m'être d'une grande utilité. Merci. Phew. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que j'ai eu les boules? Oh. Il m'a tellement surpris. Mais qu'il est con. Si jamais il y a un super mutant dans les chiottes des femmes. What? Ah.
C'est quoi ces fils? Putain, mais elle s'est suicidée dans les jeux des toilettes, quoi. Ou il. Il ou elle, quoi. Ah bon, n'empêche que... Putain, il m'a foutu les boules et du coup, je suis à cran. Oh, le con! Va me falloir un radeau dans pas longtemps. Je rêve ou ils sont propres? Non, ils sont abîmés. J'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. On va aller voir à l'étage. Bon. Est-ce que quelqu'un veut négocier? Non? Tant mieux. J'aurais dit non. Merci pour ton fusil d'assaut. Est-ce que je peux aller réparer le mien qui, j'imagine, en a cruellement besoin? Hop. Y a de drôles de bruit dans son endroit quand même. Blah, les poches de sang de la mort. Fusil laser. Nanana. Voilà. Gagnons un petit peu de place. Parfait. Les mines, c'est censé être inutile. Hein. Aïe. Parfait. Du coup, je suis à nouveau en surcharge. Ok, c'est cool. Apparemment, je peux pas parce qu'il manque un point. Un misérable point. Bon, bah, je vais en virer 8. Voilà. Merci les mines. Éviter de péter aussi, ça serait cool. Bon. Voyons voir. Continuons. Progressons. Il y avait un escalier qui descendait vers le bas, mais avant d'aller là, j'aimerais aller bah, du coup de l'autre côté en fait. Tout simplement. Hop. Pointez-vous ici si vous voulez rester en vie. Et gaffe aux mines. Vite, ils arrivent! Aux mines? Ils arrivent? De qui? Bordel, vous avez fait... Préparez-vous. What? Par ici. Où ça? Accrochez-vous. Il y a toujours une deuxième vague. What? Mais c'est quoi ce truc? Par ici. Où ça? Grenade! Bon sang. Regardez! Oh! Qu'est-ce que c'était que ça? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! On supporte pas la vue de son ah, propre sang? Ah! Oh! Putain, mais il est résistant celui-là. Putain, mais il est balèze celui-ci ou quoi? Alors oui, il est balèze. Il veut pas mourir. Non, bouton droit de souris, voilà, relève-toi avant. Idée stupide. Oh!
Passons à une idée plus lumineuse. Vous avez vu les dégâts qu'il me fait ? Mais c'est quoi ce bestiau ? Tu vas payer ça ! What ? Non. Tant mieux. Eh, ça suffit. Super Sledge. Pourquoi pas, mais j'ai pas la place. Ça par contre j'en ai besoin. D'autres des cadavres ici. Ça je vais prendre parce qu'il y a de la bouffe. Apparemment ça aussi je vais en avoir besoin. Bon, rigolons maintenant. Hop, le petit repas du soir. Bonsoir, viande de fourmi, steam pack aussi tant qu'à faire. Alors, au niveau de ça, on a des lance-missiles qu'on n'a pas utilisés, fusil d'assaut chinois, fusil de chasse, ok, pourquoi pas. Fusil de chasse, il va falloir que je le prenne, alors du coup, si je veux réparer le mien. Minigun, est-ce que je peux réparer le mien? Oui, parfait. Hop, fusil de chasse, je te le pique, hein, tu permets, copain? Et B. Terminal distant. Putain. Sydney, tu partages. Elle a pas la clé. Caisse enregistreuse. Épingle à cheveux. Elle a pas la clé. Oh, qu'elle est vilaine. Oh, qu'elle est vilaine. Par contre, elle a placé des mines un peu partout. Hein. Mais pas... Enfin, elle a placé des mines derrière elle, mais pas devant. Logique. Dites, vous assurez de... Merci, vous n'êtes pas mal non plus. Eh bien, compte tenu de ce que je fais pour vivre, il vaut mieux. Pardon, je fais ma chieuse. Je m'appelle Sydney. On ne voit pas tous les jours des collègues qui chassent les reliques. Comment ça, collègues qui chassent les reliques? Vous savez comme moi, je où suis, il je suis allé chez Soch. Pas besoin de le cacher. Ce bon vieil Abraham Washington vous a confié la même mission suicide qu'à moi. Tout à fait. Le problème, c'est que vous ne mettrez pas la main dessus sans mon aide. Je ne travaillerai pas avec des étrangers. Qu'est-ce que vous proposez? Une seconde, je veux savoir qui vous êtes avant d'accepter qui que ce soit. Qu'est-ce que vous proposez? C'est simple. On unit nos forces, on prend la déclaration, on retourne à Rivet City et on partage la récompense. J'ai étudié les plans menant là-bas. Alors sans moi, vous tourneriez en rond. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais la battre. Je vous le dis, je la bats dans le dos. Je pense. Sur le principe, elle essaie de me faire du chantage avec moi. Alors que moi, j'y suis très bien arrivé jusque là. J'ai pas eu de problème. Et elle est bloquée là en fait à cause des super mutants. D'où l'endroit miné. C'est-à-dire qu'elle est longtemps. Ça fait longtemps qu'elle est là. Bien. Ok. La déclaration. Il y a un monte-charge caché au centre de la rotonde. J'ai passé plusieurs jours à pirater la serrure avec mon terminal à télécommande. D'accord. Quand vous le sentirez, saisissez le mot. Mot de passe sécurité, nanana, information, pourquoi? Des blessures? Ouais. Donnez le premier de ces steam packs. Merci, je vais l'utiliser tout de suite. T'as raison. Alors. Puisque cette jeune femme est une catin. Non, tu sais quoi, on va prendre ton truc. Mais je promets que je t'abats en rentrant. Il y a un monte-charge au centre de la rotonde. What? On se fait bombarder en plus. Allons-y. Déverrouiller le monte-charge. Transgression activée. D'accord. Ok, pourquoi pas.
Pourquoi prudence? Messieurs, je vous adresse aujourd'hui un message d'une extrême urgence. Ah bon? Nos défenses ont été percées et nous allons bientôt engager l'ennemi. Rappelez-vous que la volonté du peuple est le seul fondement légitime d'un régime et que protéger sa liberté d'expression est notre objectif premier. Moi, Button Gwinnett, votre chef... Il gardait la déclaration dans la chambre forte des archives au bout de l'aile est. Il va falloir arriver jusque-là. D'accord. Messieurs... Qu'est-ce qu'il arrive si je pète les propulseurs? Nous devons défendre notre liberté. Besoin d'aide avec celui-là? Notre droit à l'indépendance. Ça vous apprendra à me les briser. Dommage. Si vous tardez, il y a des tas de raccourcis permettant de contourner la sécurité par des portes de maintenance et de service, si on peut les franchir. Il y a du caca là-dedans. Viens par là. Viens par là, te dis-je. Bon. Quoi de neuf? Prends un steam pack. Merci. Je vais la faire sortir d'ici parce que bon, elle mérite d'être sortie parce que c'est un personnage qu'on gère nous-mêmes. Vous exploitez votre compétence en science et trouvez réparer le condensateur défectueux pour le mécanisme de la porte. D'accord, intéressant. Bonjour. Cérébrobot, bonjour. Au final, c'est quand même elle qui a besoin de moi. Selon les plans, le générateur des tourelles est quelque part dans cette salle. Désactivez-le et on respirera mieux. Le générateur des tourelles. Voilà. Mais ça ne me dit toujours pas où aller, hein. Peut-être par là. Laissez l'ennemi pénétrer davantage nos défenses. Notre bannière ne doit pas être souillée par le sang de la tyrannie. L'ennemi sera bientôt là. Devez défendre votre chef. N'oubliez pas, notre cause est noble, c'est celle de... Oh, un sentinelle. Par ici. On va les avoir. Allez. Oh! Ça vous apprendra à me les briser. Où ça? Il va la tuer. Clouez-la sur place. Heureusement, c'est fini. Non, c'est presque fini pour toi, oui. Des blessures. Ouah, il est juste là, putain. Ça enchaîne, chers amis, ça enchaîne. Fais-ce plaisir, feu. Qu'est-ce qu'il y a? Ta fiole rouge. Ta fiole rouge. Qu'est-ce qui se passe si je pète ton propulseur? Trouvé. Où ça? Propulseur infirme. D'accord, rien de plus. Non, il est mort, chérie. Il est mort. C'est par où? Jack, c'est par où? C'est par là. La porte de la chambre forte des archives devrait être devant. C'est là qu'est gardée la déclaration. Bah, elle est juste là. L'ennemi est à nos portes. C'est le mot. Bonjour. Échapper à nos meilleurs soldats et envahir ma maison.
Mais je n'ai pas encore commencé à me battre. Je ne peux pas vous laisser nous voler notre liberté. La déclaration doit rester ici. Elle est un symbole d'espoir criant à la face du monde. C'est beau. Nous sommes un pays libre. J'ai affaire à qui, au juste ? Eh bien, je suis Button Gwinnett, deuxième signataire de la Déclaration d'indépendance et représentant de la Géorgie. Je sais que vos prouesses au combat dépassent de loin les miennes, mais je suis prêt à vous provoquer en duel s'il le faut. Qu'est-ce que vous choisissez alors ? L'épée ? Le pistolet à l'aube ? Décidez-vous. C'est très courageux, risquer ainsi sa vie pour un document. Ce n'est pas un simple document, monsieur. C'est la doctrine édictée par mes collègues du Second Congrès continental. Oui, je sais, j'ai répondu bien aux questions. Il nous délivre de la tyrannie du roi George III d'Angleterre. C'est peut-être le plus grand symbole de la liberté de ce pays. Y aurait-il un moyen d'arriver à un compromis ? Les promesses rompues et la duperie font peut-être partie des méthodes de la couronne d'Angleterre, mais je ne succomberai pas à de tels procédés. Puisqu'il semble que vous teniez à résoudre cette question sans bain de sang, puis-je vous suggérer de vous rendre ? Je peux vous assurer que l'on vous traitera bien, comme tout membre de l'armée du roi. Non, Jean, regrette, il faut à tout prix que je trouve cette déclaration. J'ai été patient, et je me suis adressé à vous comme un gentleman. De même. Mais si vous ne connaissez que la violence, que le Tout-Puissant décide du vainqueur. Défendez-vous ! Je suis désolé d'en arriver là. Je suis désolé, mon ami. C'est clairement pas ce que j'aurais voulu, hein. J'ai essayé de parlementer, d'être gentil. Malheureusement, il semblerait que ce n'était pas ce que toi tu souhaitais. Quel dommage. Merci de passer dans ma rue avec ta grosse voiture à la con. Hop. Les aventures d'un vendeur de viande séchée, et pourquoi pas. Troc, j'imagine. Ah, tout à fait. Porte de service. Ils sont tous présents normalement. Excellent. Personne n'est là. Personne n'est là. Il y a quelqu'un ici. Personne. Il y a quelqu'un. Qui est présent ? Thomas Jefferson, le signataire, le premier, celui qui a écrit la déclaration. Tiens, intéressant. Est-ce que je peux la réparer ? Oh, merde. Je peux pas la réparer, c'est vraiment dommage. J'aurais beaucoup aimé. Sous-routine de programmation. J'aimerais que ce soit justement Thomas Jefferson. Exécuter le transfert. Ah, attendez, je peux en exécuter un paquet ? Activer ? Non, non, tu reçois pas Free Dogs normalement. Mmh.
Ah merde, c'était un... Putain, il va me suivre. En fait, c'est une radio qui va me suivre tout le temps, non? Non. Non, j'ai cru. Parfait. Bon. Ah oui, madame. Partager la récompense, mais embête. Mais bon. Mais bon. J'ai pas de prix, du coup. Correct. Bon, pourtant, j'ai pas de prix. Pas grave. Bon. Eh ben, on rentre. Mais écoutez les amis, on va se laisser là malgré tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder dans les liens du descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gameslate.com si vous souhaitez acheter comme moi, donc Fallout 3 en GOTY ou encore New Vegas GOTY ou la précommande si vous le souhaitez de Fallout 4. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.